mon shaker pour être un petit peu plus rapide. Parce que c'est pour séparer aussi donc le blanc du jaune de l'œuf. Absolument. Comme en pâtisserie, juste en faisant glisser d'une coquille à l'autre. Donc on va rajouter quelques glaçons à l'intérieur de notre shaker. Vous allez pouvoir retrouver la recette après sur la page de CIBN. Bien sûr. Donc, et même une vidéo de Romain qui a mis shake. Et qui essaye de parler en même temps. Donc c'est quand même assez, faut shaker assez vigoureusement, disons. Juste parce que le blanc d'œuf faut qu'il s'émulsionne à l'intérieur. Bon, et c'est pour 2 petites secondes pour respirer. Là, c'est l'émulsion de la glace. Ouais. Ça, c'est juste l'émulsion. Oui. Ouais. En fait, ça permet de glisser et de refroidir en même temps. Ouais, c'est fait une dilution, mais juste le mouvement de secouer le shaker, en fait, permet de créer une dilution et de faire entrer de l'air, en fait, dans le blanc. Et un shakage qui se fait à l'horizontale plutôt. Oui, absolument. Le but, c'est de briser le plus possible de la glace. Puis ensuite de ça, on va filtrer notre cocktail dans les verres. Donc, filtrer juste finement, vous voyez une belle couleur blanche. Ah ouais, donc ça c'est juste que de la glace et le blanc d'œuf. Exactement. Puis les ingrédients que j'ai mis à l'intérieur étaient quand même assez pâles, donc ça donne... Ah non, mais il y avait tout le reste là. Ouais, ok, c'est ça. Ouais, excuse-moi, j'avais vraiment rincé à l'intérieur. D'accord, avec le sirop d'orgeat, le citron, la vodka, l'absinthe. Je m'excuserai, j'y vais avec mes mains pour la glace. Hop. Pas de problème, on te fait confiance. Ça fait un cocktail donc très onctueux. Absolument. Par le blanc d'œuf. Exactement, c'est vraiment juste pour aller sortir de la texture, ça donne pas plus de goût que ça en fait le blanc d'œuf. Puis on y va ensuite sur le dessus avec quelques petites amandes. Éviter les amandes salées, ça va faire bizarre. Ah ouais, non, tamari là. Exactement. Donc juste des petites amandes sur le dessus. Puis voilà. Et on boit ça dans un verre. Bon là, t'as servi dans un verre assez... Un verre old fashion, un verre à whisky. Vraiment. Ouais, c'est ça, assez... Vous pouvez même faire ça dans des petits verres. Exactement. Santé. Comme ça, ben santé. Pour le Guildford, c'est pour la rue de Montréal ou c'est pour...